reste longtemps. Et comme souvent, les guerres sont moteurs de progrès. Donc on connaissait les combats avec les épées, bien sûr, hein, classiques, les armes d'as, la lance, les arcs, les flèches. Également ce qu'on appelait les tributs, vous savez, les grandes machines de guerre qui permettaient d'envoyer des boulets, des armes de siège, qui permettaient de défoncer les murailles. Mais tout ça, ça ne suffisait pas. Vers la moitié du XIVe siècle, hein, la dernière moitié du XIVe siècle, on va apporter une nouvelle découverte qu'on appelle la poudre noire, qui est un mélange de trois matériaux, très simple, facile à trouver. Ces trois matériaux, c'est pour la base du charbon de bois, ça on sait faire facilement. Du salpêtre, ça on en trouve partout dans toutes les caves, encore aujourd'hui, facile à trouver. Et le troisième composé, c'est du soufre. Dans toutes les régions volcaniques, on va trouver du soufre. Hein, c'est une matière un peu jaune qui sent mauvais, qui sert beaucoup à fabriquer des boules puantes, notamment. Mais bon, restons au 14e. Donc on va mélanger ces trois ingrédients et on va obtenir un mélange qui va brûler, mais alors très fort, à l'air libre. Seulement si on le met dans une chambre fermée, là, le mélange ne va plus brûler, il va détonner. La vitesse de propagation est, on va dire, de 1 à 10, à peu près. Hein. Pour donner un ordre de grandeur. Donc, cette arme, bien sûr, enfin, n'est pas forcément une arme, ça peut faire joli, hein. Les Chinois nous ont fabriqué des feux d'artifice avec, mais nous, on va trouver des applications militaires. Et on va remplacer ce qu'on connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire l'arbalète, l'arc, et même, après, les trébuchets avec des canons de plus en plus gros, de plus en plus puissants. Alors, on vous une petite préparation. Donc, cette pièce-là s'appelle une couleuvrine. Alors, c'est vraiment un modèle, une réplique d'un modèle ancien. Enfin, ce ne sont pas des armes historiques. Donc, ces armes étaient forgées sous les ordres d'un maître qu'on appelait le meneur d'engin. On dirait un enginier. À l'époque, on disait engineer, qui est donné ingénieur aujourd'hui. Ces gens qui possèdent la technologie. Et donc, sous les ordres de l'ingénieur, on donnait aux forgerons les instructions pour qu'ils puissent réaliser des pièces, forger de différentes pièces, de différents morceaux, et ensuite sertis avec des gros renforts de métal, de façon à supporter la pression qui allait avoir à l'intérieur du fût. C'est quoi? C'est simple, c'est un trou, borgne, avec une petite lumière qui correspond avec la chambre à l'intérieur, qui va permettre donc la mise à feu de l'ensemble. Alors cette arme-là n'est pas chargée, je vais la charger devant vous. Donc je vais prendre la poudre noire. La tiens. Alors la poudre noire se trouve aujourd'hui sous forme de bidon. À l'époque, le mélange était très instable, on le préparait qu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'on mélangeait les trois ingrédients au dernier moment. Donc on va lui donner à manger. J'en mets qu'un ou j'en mets deux? Un et demi. Allez, un et demi. Un, c'est pas assez, ça fait... Voilà. Alors, lève tes mains. Merci. Voilà. Donc j'ai mis le produit. Je vais faire un bouchon. Donc le bouchon, ça pouvait être n'importe quoi, simplement de l'herbe sèche, qu'on tassait bien, hein, une bourre quelconque. Moi aujourd'hui, pour éviter d'envoyer des gravillons, de n'importe quoi, je vais utiliser de la farine. La farine, au moins ça brûle, on est tranquille. Mais à l'époque, ils n'utilisaient pas de farine, ça coûtait trop cher. On va donc faire appel à Sainte Francine. Je
transforme un petit peu parce que c'est toi et que t'as un copain. Voilà. Et maintenant, je vous... Ah, le bouton qui bouge. Une doigt sur la lumière pour éviter que la poudre ne fiche le camp. Et je tasse progressivement et tout doucement pour bien chasser l'air. De façon à reproduire une combustion en basse flot qui va donner une explosion. Voilà. Et comme c'est un copain... Voilà, donc ça c'est ma couleuvrie. La voilà chargée. Donc tu vas te mettre en tension, copain. Donc mon copain, c'est claque mes ailes. Voilà. Et on va préparer, donc, pour donner la petite touche finale, celle qui va mettre le feu aux poudres, c'est le cas de le dire, la petite lumière dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui correspond avec ma chambre, je vais la remplir à son tour de poudre noire. Mais là, j'en mets une petite quantité. Voilà. Hop, mon arme est fin prête. Et après, donc, on va faire appel à un petit monsieur qu'on appelle le boute-feu. Alors, le boute-feu, c'est qui? Bah, c'est simplement quelqu'un qui est là avec une petite mèche incandescente et qui est prêt à allumer le feu sur chacune des bouches qui seront prêtes à tirer. Donc, lorsque l'engin est prêt à tirer, on va appeler le boute-feu. Donc quand on appelle le bout de feu, bah, je vous conseille, c'est de boucher dans la mesure du possible vos oreilles et d'ouvrir la bouche parce qu'il y a un effet de blast assez... C'est quand même... c'est musclé, quoi. Ça respire la santé. Je vous demanderai peut-être de ne pas rester dans l'axe du tir, là, parce que... Tout à l'heure, c'est dommage, il y avait deux fauteuils. D'habitude, on prend des volontaires, mais là, ils les ont retirés. Alors... J'ai une petite lanterne allumée. Voilà. Et maintenant, elle s'est éteinte. Donc on recommence. Quel suspense! Donc maintenant on appelle le bout de feu. On crie bout de feu! Et là, attention au carreau au feu! Ton micro pour pas me prendre plein les oreilles. Bon, j'ai la mèche qui est pas très dynamique aujourd'hui, je sais pas pourquoi. T'as pas la mèche en forme? Non. Ah, il y a des gens. Ah, le coup de feu, c'est un métier, hein. On peut pas tout savoir faire. Hein. Ah, puis il y a l'âge aussi, hein. On a plus la mèche aussi vigoureuse qu'avant. Ah, ouais, 40 ans passés au feu, hein, ça vous use un bonhomme. Hein. Ce qu'on appelle un trait à feu, trait à poudre, une arme un peu particulière
elle a un crochet en dessous, vous remarquez. Donc à partir du XIVe siècle, on va utiliser ce type d'arme et on va l'utiliser à titre défensif dans les châteaux forts. Et les châteaux forts fabriqués à partir, modifiés à partir du XIVe siècle, ont une particularité sur les archères. Vous remarquerez les archères qui permettent donc d'envoyer les flèches sur l'assaillant. On va trouver sur les châteaux fabriqués à partir de la fin du XIVe siècle et au XVe, une petite ouverture ronde à la base de ces archères. Ces ouvertures rondes vont permettre de passer ce type d'engin. Et le crochet va s'appliquer contre la muraille, et c'est la muraille qui va encaisser le recul. Donc là, j'ai pas de muraille à portée de main. Par contre, j'ai mon copain. Il aime bien. Messieurs Claquemézaille, puis-je vous solliciter un instant? Donc, comme tout à l'heure, je vais reprendre un petit peu de pulvérin. Donc le pulvérin, c'est la poudre très fine que je vais venir mettre dans la lumière. J'en suis pas une, je suis désolé, il n'y a que le canon qu'on dispose. Voilà. Alors pour se méfier, celui-là, il est petit, mais il est costaud. Hein. Donc comme tout à l'heure, on bouche les oreilles. On ouvre la bouche quand on entend bout de feu ou gare au feu. Alors je rallume ma mèche si elle veut bien. Moi j'ai l'écho de la voûte et je peux vous garantir que ça secoue d'ici. Ah, ça fume, ça devient beau. Alors on appelle qui? Alors on a dit. Le Woutfeu. Woutfeu. Il est parti, hein. Il était prêt à s'en aller. C'est que de la farine. Puis bon, le dernier, il est pas magique, hein, c'est un des premiers canons, hein, donc remonté sur un châssis en bois composé au sol. À l'arrière, il a aussi un crochet. On pouvait y mettre un piquet de façon à empêcher le canon de s'en aller tout seul. Sur l'herbe bien humide, je peux vous assurer qu'il peut reculer de 10 à 20 mètres. Hein. J'ai déjà vu faire, il est capricieux. Hein. Bon, là, aujourd'hui, l'herbe est sèche, donc ça devrait aller. Bon, comme tout à l'heure, tu veux l'allumer? Alors, comme tout à l'heure, lui aussi, il a sa petite lumière, que je vais remplir. Je vais passer le relais parce que comme ça, si la mèche s'éteint, il n'y aura pas que moi qui ai l'air d'un imbécile. Donc, faut partager. Hein. L'esprit de groupe, c'est ça. Alors, on appelle qui? Le bout de feu. Attention, gare au feu. Voilà. On sait bien que cet endroit-là, il n'y aura plus besoin de passer à la tondeuse. On a gagné 20 cm carrés, le jardinier nous remerciera. Donc, qu'est-ce qu'on mettait, j'ai pas expliqué, hein, qu'est-ce qu'on mettait au début? Donc, au début, à l'extrémité, on pouvait mettre ce qu'on trouvait, c'est-à-dire des cailloux. Hein. Au XIVe siècle, c'était ça, ce qu'on trouvait. Des cailloux, des coups de flèche. Parce que sur les champs de bataille, il n'y avait pas de coups de flèche. Donc, on cassait les coups de flèche, on gardait que la pointe. Et on la mettait à l'extrémité, ou des carreaux d'arbalète. Et à partir du 15e, on va commencer à faire des cailloux bien ronds, bien taillés, ou alors carrément couler des pièces en plomb ou dans d'autres matériaux. Et à partir du 15e siècle, bien sûr, comme tout, bah, les techniques vont s'améliorer, et ça va donner les canons qu'on connaît sur les guerres napoléoniennes, etc. Mais qui travaillent tous sur le même principe.
Voilà, monsieur, dame, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à venir me trouver, moi ou mon copain. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. J'espère que vos oreilles ont pris le choc. Eh bien, je vous souhaite une bonne visite et puis un excellent week-end.